Bonjour à tous, je suis en direct de Cannes, où comme tous les ans a lieu le festival que tous les cinéphiles du monde entier attendent avec impatience. Et alors cette année, eh bien Cannes ne parle que d'une seule personne, l'invité d'honneur. Et oui, à tel point que certaines mauvaises langues vont même jusqu'à dire que sans sa présence, eh bien le festival n'a pas vraiment commencé. L'effervescence touche même les plus grandes stars de cinéma. Tout le monde ne parle que de l'invité d'honneur. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. Elle a de quoi se réjouir puisque c'est elle qui va lui remettre en main propre son invitation. Fantastique. La ville entière s'est mise au rythme de l'événement et n'hésite pas à le faire savoir. Maman, regarde. Les déclarations d'amour des fans sont à la hauteur de leurs attentes. Tout comme les organisateurs du festival, chacun se prépare dans les moindres détails. Ça n'a pas été facile, mais tout est prêt. C'est la troisième couche de polish. Ce chauffeur vous paraît tendu ? C'est tout à fait normal. Il a été choisi pour conduire l'invité spécial. Ah oui. Grosse responsabilité. Même lors de la montée des marches, le public n'a Dieu que pour la nouvelle vedette du festival. Et oui, comme vous avez pu le constater, l'effervescence est à son comble ici à Cannes. Regardez autour de moi, l'enthousiasme est véritablement collectif et communicatif. Une seule question reste sur toutes les lèvres, mais quand verra-t-on enfin l'invité que tout le monde attend ?